Coucou, une petite vidéo parce que j'ai reçu des vernis barrières. Excusez-moi, je règle la caméra parce qu'aujourd'hui on n'a pas de soleil. Donc je me suis mis le plus près possible de la porte-fenêtre. J'espère que ça ne va pas tomber. Voilà, bon, je n'ai pas déballé devant vous parce que Tonio, il emballe toujours très bien les petits vernis. Hein, vous voyez, ça c'est des petits papiers doubles. Et il y avait en plus ça autour des vernis. Hop, je mets de côté dans une petite boîte comme ça. Je vais vous présenter ce vernis fabriqué maison. Je crois qu'on a mis une petite carte. Alors, il y a toujours cette petite carte. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais. Avec des ongles. Voilà, je n'en ai pas recommandé beaucoup là. Voilà. Verso, c'est des vernis fabriqués main. J'en ai laissé au moins ma quatrième vidéo que je fais sur eux. Alors, avec toujours un petit mot gentil pour me dire voici ta commande. J'espère qu'ils te plairont. Pense à bien secouer. Voilà, bisous. Ça, bien sûr, tous les vernis sont biphasés, donc il faut tous les secouer. Alors, à chaque fois, vous recevrez des petits cadeaux, souvent en style, avec une odeur de Mounaret. Ça sent toujours, là, il y a pensé. Alors, en cadeau, je fais rapidement, j'ai reçu deux petites touillettes qui sont plus longues, tiens. Deux petites touillettes en bois pour touiller les vernis. Voilà. Ça peut aider si vous avez du mal à les secouer. Avec ça, j'ai reçu une petite bague. Je vais vous montrer rapidement. Très jolie d'ailleurs, une petite bague. Puis, lila. Voilà. Hop. Oui, oui, je suis lente. Et un petit collier. Voilà, qui est une petite boule en verre, très jolie, avec un cordon noir, voilà, qui est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Et deux petites poudres pour les ongles. Voilà. Une orange et une rouge, rougeâtre, on va dire. Un petit pot. Voilà. Moi, je ne sais pas forcément le faire. Hein. J'essaierai quand j'aurai le temps. Alors, avec ça, j'avais commandé pour le fun une huile pour les cuticules au parfum. Parce que oui, j'ai la crève, excusez-moi. Parfum de cannabis. Je vous montre pas. Voilà, vous voyez. La petite feuille de cannabis, faite main, c'est fait main par Bayarine aussi, bio, hein. Voilà, et il y a la composition, là, attends, je crois, je vous montre, oh, je vous la montre à l'envers en plus, voilà, la composition et la date de péremption, toujours pareil, j'en ai 4, hein. C'est avec un petit roller. Vous mettez, c'est nourrissant, hein. Vous mettez autour des ongles pour les cuticules. Voilà. J'aime bien ça. Alors, je ne peux pas vous dire si ça sent vraiment le cannabis, puisque je ne suis pas une consommatrice de cannabis. Tout le monde s'en doutera. Mais ça sent le. La feuille verte. Ouais, ça a une odeur de. J'aurais envie de dire de cannabis. Ouais, ça sent le. Éternuer. Ah mais oui. Vous voyez ce que ça fait le cannabis? Ah non, non, j'ai attrapé un petit rhume. Voilà, je vais le poser là. Alors je vais prendre. J'en ai commandé 4. Hein, donc ça va pas être très long. Je prends le premier que j'ai retourné dans la boîte. Alors le premier, bah, c'est. Celui-là, je l'avais déjà, mais c'est une base à avoir. C'est un basique à avoir. C'est l'Absolutely
black. Vous allez comprendre pourquoi c'est un noir. Voilà, je l'avais déjà, mais je l'ai utilisé pour vous présenter les vernis. Je vais le mettre à côté, je vais vous montrer pourquoi. Ouais, je trouve ce que vous voulez. Alors, j'ai commandé déjà le dragon de Bayarven. Pas de bêtises, ma fille. Allez. Voilà. C'est un duochrome. Enfin, c'est duochrome. Il est très pailleté. Comme vous voyez. Dans des tons bleus. Bleu clair doré. Ça fait. Avec des paillettes dorées. Et celui-là, il est à mettre par-dessus une base noire de préférence. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup parce que avec, j'ai pas de soleil. Et moi, je l'ai mis sur le noir. Voilà. Vous voyez. Et vous allez voir, ça fait un rendu très joli. Ça rend ça. Voilà. Bon, petit poil. Hein. Ça fait un vert doré. Voilà. Je l'ai mis aussi sur ce doigt-là. Là, j'ai un ongle qui a cassé, excusez-moi. Ça arrive. Voilà. C'est à mettre par-dessus une base noire. De préférence, ça vous fait un vert or. C'est comme ça que je le vois. Je l'aime beaucoup, c'est mon préféré. Voilà. Je pose par terre parce qu'il va y avoir de la chute. Après, j'ai commandé un qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Je crois que c'est de Fairy by Makeup. Elle me reprendra si c'est faux. C'est la petite fée clochette. C'est un verre avec des reflets dorés. Et ici. Tinkerbell, voilà, la petite fée clochette de Peter Pan. Voilà, je vous laisse admirer là, l'objet. Un verre, comme les paillettes que laisse la petite fée quand elle s'envole. Voilà, c'est très féerique, très, très Disney. Voilà, et celui-là, je l'ai mis sur ces deux ongles, les deux derniers là. Voilà, comme vous voyez. C'est une très jolie couleur. Et ça brille. Voilà. Hop! Ça, c'est dans la catégorie Fairy by Makeup. Hein. Ça, si je ne me plante pas. Voilà. Toute une série très, très pailletée, très, très jolie. Et je vous sors les deux derniers. Je me suis rapprochée, si vous saviez où est ma caméra, elle est sur le clim. Alors, on va commencer par, j'ai pris le Bayarven I'm Pink Chrome Beach avec un petit chien qui a gros cœur, punk, avec une crête rouge. C'est un rosé, comme vous pouvez le voir. Et celui-là, je l'ai mis sur ses deux doigts. C'est un rosé chromé. Voilà. Très jolie couleur. Et j'ai pris son Robotic Natty de Bayarven qui est plus dans le violet. Vous voyez la différence des deux flacons. Hein. Montre, voyez, on voit vraiment quand même que c'est plus rosé. Celui-là, il est plus violet. Et dessus, celui-là, il y a un petit robot. Une femme robot. Voilà. C'est un violet chromé aussi. Et celui-là, je l'ai mis sur le petit pouce.
Bon, celui-là, il est cassé, donc je vais vous montrer que le petit pouce. Un violet qui est très joli aussi. Voilà. Bon, vous les secouez. Hein, parce que... Voilà. Vous voyez, j'avais pas grand-chose à montrer. Il y avait celui-là que je voulais vous montrer, qui était métamorphe, ouais, qui donne des reflets à l'eau, une sorte de un reflet bleu clair sur les vernis noirs, mais il n'y a pas assez de lumière, vous le verrez peut-être pas forcément. Il y a un petit tigre, je crois, dessus. Si on regarde bien au bord, ça donne un reflet, un halo, ouais, sur du noir. Je l'ai mis sur Absolute Black. Mais ça va pas se voir parce qu'il n'y a pas de soleil. Ça donne un petit reflet bleu très clair quand on a du soleil, bien sûr. Je vais remontrer, je ne sais pas si vous le verrez. Vraiment, ça donne le halo, le bleu clair. Bleu très clair, mais il faut regarder vraiment dans les bordures, le bord. J'espère que vous le verrez, je verrai en finition. Celui-là, je l'avais déjà reçu avant. Voilà. Mais il n'y a pas de soleil. Ça se voit au soleil. Ça donne un halo mauve sur une base noire. Qu'on ne verra pas, bien sûr, avec le bol que j'ai. Il n'y a pas de soleil. Petite étiquette. Il l'avait mis sous Absolute Black. J'essaie de montrer. Je l'ai vu tout à l'heure, mais là, je vois plus. Voilà. Et je vous fais un bisou. Et puis, je vais essayer de voir ce que ça a donné. Allez, ciao, ciao.